J'espère que vous passez de très très bonnes vacances d'été, vous profitez bien de votre famille, de vous-même tout simplement, de votre temps de repos et bon courage bien sûr à tous ceux qui travaillent. Aujourd'hui je partage avec vous mes soins d'été, des soins pour la ville et des soins pour la plage puisque c'est pas du tout la même chose et d'autres petites choses, des gadgets qu'on aime acheter, je sais pas si vous êtes comme moi, tous les gens, j'adore acheter des gadgets de place. De plage et les serviettes. J'ai toujours une très belle serviette, mais je rachète tous les ans une nouvelle serviette. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne fais pas de collection. En tout cas, on va pas parler de serviettes, mais on va parler de produits. Vous savez que notre peau, elle change à chaque nouvelle saison. C'est plus la même. Actuellement, l'été, il fait très très chaud. Ma peau qui est habituellement qui est sèche, qui est plutôt déshydratée à sèche par moment, s'il fait vraiment très très froid, là actuellement elle est vraiment très limite grasse quoi, très 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 mixte, du coup j'ai été obligée de changer de soin. Alors certains soins que j'ai gardés comme la lotion Gommante, la lotion exfoliante plutôt de chez Clinique que j'utilise matin et soir, par contre celle-là elle est très très bien même si vous avez la peau grasse, elle va venir vraiment détoxifier notre peau et refermer si on a les pores vraiment dilatés, surtout absorber l'excès de sébum. Alors celle-là je la garde. J'ai gardé aussi mon contour de l'œil que j'utilise matin et soir sans exception. Je garde aussi. Par contre, mon soin rose actif avec le sérum que j'utilise habituellement, celui-là, cette crème, je la garde pour le soir parce qu'elle est vraiment très très riche pour la journée. J'ai la peau qui, comme je vous disais, elle est devenue vraiment mixte à grasse. Du coup, je l'ai remplacée par celle de Clinique, la gelée hydratante. Vous avez la gelée spéciale, la base spéciale peau grasse et spéciale pour peau mixte. Elle va hydrater, mais par contre, comme c'est en gelée, elle rafraîchit et elle est vraiment très moins riche qu'une crème. Voilà, elle se présente comme ça. C'est vraiment une gelée, quoi. Très facile, très simple d'application. Au début, on a un effet gras, un effet un peu haut sur la peau qui a du mal à absorber. Au bout de 2-3 minutes après, la peau absorbe complètement du tout. Vous connaissez déjà le principe, vous avez la gelée et vous avez la capsule qu'on va mettre dedans qui correspond à votre peau. Moi, je prends toujours celle anti-rides. Je ne sais pas pourquoi j'adore celle-là, je la prends toujours. Le seul problème, c'est que la gelée, on l'applique, enfin quand on la sort, elle sort toute seule, il n'y a pas la crème qui sort avec les 10 premiers jours, c'est ça le problème, mais c'est dommage, je ne sais pas s'il y a une autre solution pour ça. La crème ne sort pas, la capsule de la crème ne sort pas, il n'y a pas le mélange qui se fait. Il faut attendre vraiment longtemps, ça fait au moins 10 jours maintenant que je l'utilise. Bien sûr, là,
journée, on va pas sortir sans protection solaire, sachant que la crème, la gelée clinique, elle est, il n'y a pas d'SPF. On va appliquer une protection très très importante. Et ça fait un petit moment que j'avais essayé de, que j'avais envie d'essayer les soins Cartier. Je connais déjà leur, leur masque, mais je ne connais pas leurs soins. Et j'avais envie d'essayer cette protection solaire que j'ai vue sur leur, leur page Instagram. En fait, c'est une protection solaire à SPF 50, vegan et bio. Si on peut participer un petit peu au respect de la nature, au respect de la mer quand on va se baigner, tout ça, pourquoi pas contribuer à commencer à faire quelques petites choses. Pourquoi pas? En tout cas, j'avais envie d'essayer à mon tour les produits vegan et bio. Alors, au début, j'ai pas fait attention, c'est une crème qui est teintée. Mais en fin de compte, pourquoi pas? Bon, sauf que maintenant, puisqu'on porte en permanence un masque, c'est vrai qu'on a un petit peu la trace sur le masque, mais c'est pas grave puisque franchement, elle a une très très haute protection et on a une légère couleur qui vient se déposer. En fait, la couleur, on la voit pas tout de suite. Il faut attendre 5-10 minutes et la couleur, elle change. En fait, c'est une couleur universelle qui se base à notre couleur de peau et elle se change par rapport à notre couleur, quoi. Et j'ai, ce que j'ai remarqué au bout de 5 minutes, alors je l'ai appliqué plusieurs fois pour être sûre de ce que je raconte, je l'ai appliqué plusieurs fois et au bout de 5 minutes, la couleur, elle change. Par contre, elle est un petit peu spéciale comme crème. Il faut savoir bien l'appliquer, sinon vous n'allez pas aimer du tout. Il faut bien bien mélanger. Au début, elle est très 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 huileuse. La première application, même si j'avais bien bien mélangé, bien secoué le tube, j'avais plus l'huile que la crème. Et comme j'ai mélangé, vous mettez toujours sur le dos de votre main avant d'appliquer. Et en fait, j'avais la peau qui était très très grasse, très huileuse. On pouvait même se voir dans mon visage, obligé de mettre un peu de poudre, moi qui n'aime pas les poudres. La deuxième application, ça allait. La troisième application, j'ai su comment faire. En fait, trois fois, il faut bien 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 la mélanger. Elle est très épaisse. Voilà, elle est épaisse comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'elle sent pas et j'aime bien moi les produits qui ne sentent rien, qui n'ont pas de fragrance. Bah, comme Clinique, en fait, si vous êtes allergique au parfum, c'est top. En fait, la crème, elle est comme ça. Au bout de trois fois, j'ai compris comment il fallait bien l'appliquer. On se coupe très très bien, vous la mettez sur votre dos de la main, vous mélangez. Elle est un petit peu difficile à travailler, elle est très très épaisse comme vous voyez. Alors par contre, tout ce qui est bio, il faut savoir, surtout les soins solaires, si vous n'aimez pas les traces blanches que certaines crèmes solaires laissent, il faut savoir que tout ce qui est bio, on a automatiquement une trace blanche sur le visage ou sur notre corps, puisqu'il n'y a pas autant de conservateurs, autant de produits chimiques qu'une crème ordinaire. Tout ce qui est bio, les soins, tout ce qui est chimique est minimum. Automatiquement, n'importe quelle marque, vous aurez des traces blanches. C'est tout à fait normal. Une odeur, une fragrance que j'adore, que je suis obligée d'acheter à chaque été, ben c'est le monoï. J'adore sentir le monoï. Et une obligation presque de passer chez Yves Rocher d'acheter leur monoï, ben c'est le parfum. Ils ont sorti celui-là, je crois que c'est cet été, ça s'appelle Journée d'été, je crois bien, je crois pas, c'est marqué tellement petit. Et ça sent... ça sent trop trop bon, le monoï, ça c'est mon parfum obligé l'été d'acheter cette senteur, c'est de chez Yves Rocher tout simplement. Ah bien sûr, c'est très très important, une bonne protection pour notre corps. Vous faites attention, c'est bien de s'exposer, de prendre ce qu'il faut comme vitamine D, c'est bien le soleil, mais faites attention, c'est pas très très bon pour notre peau. Premièrement, ça cause déjà pas mal de maladies que vous connaissez déjà. Et en plus, ça fait vieillir notre peau rapidement et
on veut pas, on veut faire attention et rester le plus longtemps possible avec une peau saine et sans rides, donc très très important. On va choisir des bons soins. J'avais acheté cette brume d'huile sèche de chez Polysienne, je crois bien, comment ça s'appelle? Polysienne. Soleil des îles, je crois, mais c'est pas Polysienne, qu'est-ce que je raconte? Soleil des îles. En tout cas, c'est une huile sèche que j'adore. Ça sent l'huile de coco. Ça sent très très bon. Ça se vaporise comme ça. C'est très très frais. En fait, quand vous la mettez, vous vaporisez sur vous, le produit sort pas frais, glacial. Quand on est à la plage, on a très très chaud. C'est vrai que ça fait du bien. Ça rafraîchit. Elle protège très très bien. J'avais pris 30. En fait, celle-là, je la mets juste sur le bas, au niveau des jambes, parce que j'ai les jambes qui ne bronzent pas. Je voudrais, pourtant j'ai une peau mate qui est beaucoup plus apte à recevoir le soleil et à bronzer rapidement, mais je bronze très très lentement. Même mon visage, là j'ai mis du bronzer, je bronze presque pas, je sais pas pourquoi. Et mes jambes, pas pareil, ils sont marron très très clair. J'aimerais bien qu'ils noircissent un petit peu, mais impossible. C'est pour ça que j'ai pris carrément une huile pour booster un petit peu le bronzage, mais ça bronze doucement, tranquillement. Je pense que moi, ça protège plus que ça, plus qu'autre chose. En tout cas, c'est une huile sèche qui est très très agréable, facile à vaporiser et qui surtout va hydrater, garder notre peau hydratée. Par contre, le haut du corps, surtout les 2-3 premiers jours, j'évite de mettre ce genre-là pour ne pas brûler, parce que je brûle très très facilement. J'ai été en fait une fois brûlée au deuxième degré au soleil, et depuis j'ai très très peur, parce que j'avais vraiment souffert. J'ai 4 jours de fièvre intense et toute ma peau elle a pelé, enfin, c'était horrible. Et depuis j'ai très très peur, d'ailleurs c'est pour ça que je ne supporte pas le soleil. Rester 30 minutes, 40 minutes maximum, pas plus, je me mets rapidement sous parasol. Là, j'ai adoré ce soin. J'ai pris juste SPF 30 parce que 50, ça va être un peu trop hautement protecteur. J'aimerais bien quand même un petit peu bronzer. Même 30, ça protège super bien. On n'a pas du tout de coup de soleil. Et franchement, c'est la première fois que je ne pèle pas, que ma peau ne se dessèche pas. Parce que tous les ans, en général, ma peau, elle est toute sèche et je suis obligée au quotidien de mettre la crème. Là, j'ai vu deux fois, je n'ai pas mis de crème. Le soir, j'ai oublié, ma peau ne s'est pas du tout desséchée. Ça protège très très bien. Et encore une fois, comme j'ai dit, les soins bio vegan, ça laisse des traces blanches. Alors celle-là, soyez-en sûr, vous allez être toute blanche. Mais moi, ça ne me dérange pas puisque on a une super protection, une très très bonne hydratation. Surtout quand on se lave, on a encore l'hydratation. Alors vous n'allez pas aimer la première fois. Mais si vous l'utilisez une deuxième fois, je peux vous dire que vous allez l'adorer parce qu'on a une super protection. Alors vous voyez, ça sent pas grand chose, c'est plutôt agréable. Mais on a quand même des traces blanches, mais ça unifie le teint, j'allais dire. Ça unifie le teint, ça hydrate très très bien. Voilà, ça se voit pas beaucoup, mais vous voyez, il y a quand même une petite différence entre là et là. Mais vu le bien que ça fait pour l'hydratation et la protection, et en fait même quand on va se baigner, on sort, on a un petit peu les traces blanches, mais la crème elle est encore là en fait. Même si on l'applique pas tout de suite, on oublie pendant 15-20 minutes, on a encore la crème qui est là, qui va vraiment protéger. Et n'oubliez pas, si vous restez longtemps, genre 2-3 heures, n'oubliez pas que toutes les 30 minutes, 1 heure, faut renouveler la protection, sinon plus d'une heure, ça ne sert à rien, elle ne fait plus effet, il faut renouveler à chaque fois. Au niveau cheveux, chez Yves Rocher, j'ai pris le spray capillaire effet plage qui va garder, en fait, si vous avez les boucles ou des vagues, ça fait un peu wavy, ce spray, on vaporise ça. Ça permet de protéger légèrement et surtout de garder une belle boucle. Ça sent bien sûr, moi je l'ai acheté pour l'odeur, hein, c'est pas pour les boucles. Pour l'odeur, parce que ça sent super bon le monoeil. Mais bémol, l'odeur du monoeil ne reste pas et c'est vraiment dommage. Hein, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. L'odeur ne reste pas, il cartonne les cheveux.
Et moi, j'aime pas cet effet cartonné. J'aime bien avoir. Bon, j'ai une boucle à la plage, mais j'aime pas quand ça cartonne. Et ça cartonne, tu peux même pas passer les doigts dans tes cheveux. Et dommage, on n'a pas l'odeur que moi je voulais de mon lait, parce que j'aime bien sentir mes cheveux quand ça sent le bon lait. On n'a pas cette odeur-là. Du coup, ben, j'emmène avec moi mon huile de chez Cosmea que je mets sur mes cheveux. Et en général, je mets un petit chignon, je fais ma casquette pour pas avoir. Si j'ai pas de parasol, mais en général, j'ai toujours mon parasol. L'huile capillaire, mais c'est plus un sérum qu'une huile. Vous n'avez pas peur de l'appliquer. Vos cheveux n'ont pas, vont pas brûler au soleil ni quoi que ce soit. Vous aurez quand même une bonne protection. Vos cheveux seront beaucoup plus doux, plus démêlés que ce genre de lotion qui a tendance plutôt à cartonner. Alors, de retour chez moi, bah, j'utilise sous la douche le gommage de chez Sephora Omonoi, encore une fois, et qui sent vraiment très très bon. Il laisse la peau très très douce. Hein. Ah, ça sent bon le monoï. Alors, par contre, une fois qu'on rince, on n'a plus d'odeur et ça, c'est vraiment dommage. Je n'aime pas utiliser les gels douche à parfum. J'aime bien utiliser les gels douche neutres. Je préfère. Souvent, j'achète les gels douche genre La Roche-Posay ou Bioderma. J'aime beaucoup. C'est une huile de douche qui laisse la peau très très douce. Et mon gommage, mon exfoliant pour le corps. À mes cheveux, moi, j'ai un masque que j'aime, que j'adore, que je ne change pas. J'achète plusieurs soins pour mes cheveux et je reviens toujours au même, c'est Orothérapie. J'achète toujours en grand comme ça. Ils sont super bons. Ça sent trop trop bon. C'est un masque assez épais si vous avez les cheveux secs et c'est idéal avec l'été. Moi, je le mets sur toutes mes longueurs et je le laisse pendant 1 heure, 2 heures. Quand je rince, j'ai les cheveux vraiment très très doux et qui sentent bon. Et c'est une odeur qui reste longtemps sur les cheveux. Voilà, de chez Orothérapie. Alors moi, je l'achète chez Bleu Libellule. Et ici dans le sud, on en a beaucoup. Alors je ne sais pas, à Paris, enfin les autres, à Paris, vous avez des grossistes à Saint-Denis. Ils doivent en avoir. Dans les autres villes, je ne sais pas. Mais par contre, dans le sud, on a Bleu Libellule. Vous l'avez en petit pot. Et le gros, moi je l'achète en gros parce que tout le monde l'utilise, l'Orothérapie. Moi, c'est le seul masque qui me convient. Il est... Alors, en sortant de la douche, bah, je garde tout simplement mes lait corporel de tout le temps. Il y a celui-là, Cosmia, que j'utilise la journée parce qu'il ne graisse pas, il sèche très très vite, la peau absorbe très vite. Hein. Surtout quand on est en robe, on ne va pas avoir entre les jambes le frottement, quoi. On n'a pas ce côté un petit peu gras. On peut s'habiller directement, celui-là. Et le soir, par contre, celui-là, Cica Biafine, il est beaucoup plus riche, beaucoup plus épais. Je ne rachète pas d'autres. Cela, il me convient très, très bien. J'en ai. Ce n'est pas la peine d'acheter un soin après solaire qui, des fois, ne sert pas grand-chose, en fait. Prenez plutôt ce genre de soins qui sont beaucoup, beaucoup plus concentrés, beaucoup plus hydratants. Ou, encore une fois, le monoï, huile de monoï. De monoï un peu plus pur de chez Yves Rocher, huile traditionnelle nourrissante, celle-là qui va nous servir pour le corps, le visage et les cheveux. J'en mets toute petite quantité parce qu'elle est vraiment très 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 grasse sur les pointes, pas partout. Vous pouvez mettre partout si vous faites comme je fais moi, un petit chignon ou une natte. Si c'est gras, ça ne se voit pas. Légèrement sur le visage parce que le soir, si vous attrapez des petits coups de soleil sur le visage, la peau est légèrement déshydratée avec le soleil, vous pouvez mettre toujours votre soin habituel et par-dessus mettre quelques gouttes aux endroits où vous sentez qu'il y a un petit dessèchement et partout sur le corps. Moi, j'en mets surtout là les bras, là au niveau du décolleté pour bien bien hydrater et ça sent super bon. Encore une fois, le monoï. Je suis Miss Monoï chez Yves Rocher tout simplement. Alors bien sûr, tout ce qui est soins huileux, on va éviter la journée puisque ce n'est pas compatible avec le soleil. Ça peut faire l'effet contraire. Faites attention, gardez vos soins huileux comme ça ou vos huiles pour le soir. Et un autre endroit, on n'y pense pas, mais il faut l'hydrater, très très important parce qu'on en a besoin pour que cette partie soit belle et jolie parce qu'on met beaucoup de sandales, bah c'est nos pieds. Le soir, ayez toujours à côté de vous des chaussettes en coton.
spéciale pour vos pieds et on va tout simplement mettre de la vaseline. Il n'y a pas mieux. Vous pouvez utiliser toutes les crèmes que vous voulez. Il n'y a pas mieux que la vaseline. Elle n'est pas chère et elle hydrate super bien. Ça fait vraiment des talons. Ayez toujours l'habitude deux fois par semaine de gommer votre talon pour enlever la peau morte. Et tous les jours, mettez votre vaseline. Moi, j'ai pris celle-là quand je suis partie au Maroc. C'est chez Marjane, je crois bien. Ça sent, c'est côté bébé. Ça sent le talc pour bébé. Tous les soirs, vous badigeonnez vos pieds avec. Hein. Ou tout simplement, vous achetez votre comment? Vaseline en pharmacie, en tube, comme ça, c'est beaucoup très, vraiment très concentré. Vous mettez au niveau des cuticules, ça va vraiment hydrater ou des endroits où vous avez des petits dessèchements visibles, hein. Les coudes, les genoux et surtout, n'oubliez pas les pieds. Et, franchement, ça va vous changer la vie. Vous allez avoir des pieds très très doux, des pieds de bébé, même le jour. Hein. Vu que vous allez bien hydrater votre pied le soir, la journée, moi je ne mets pas de crème puisque avec les sandales ou les tongs, ça glisse. Si je ne mets pas, j'ai les pieds tellement bien hydratés que je n'ai pas besoin de mettre de crème. Et il faut savoir que l'été, nos pieds se dessèchent très facilement puisqu'on marche presque nu-pieds. On est toujours en petites sandales et tout ça, ils se dessèchent très facilement. Alors pensez à la vaseline. Les gadgets d'été, bah, on en a besoin aussi. Surtout qu'ici à Montpellier, il y a toujours du vent et la serviette ne tient pas en place. Du coup, j'ai pris ces pinces-là qui vont vraiment accrocher la serviette. Elle reste en place. Il y a celle-là pour le dossier et celle-là qu'on va planter dans le sable pour la faire tenir de l'autre côté. Franchement, c'est très 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 pratique. Hein. Cette petite bouée toute mimi, j'aime bien moi prendre mes boissons, mon café à la plage et à chaque fois, je pose sur le sable et mon gobelet, il y a toujours plein de sable en dessous. Alors du coup, ça, on la met là, on met notre gobelet ou notre canette et ça tient. Bien sûr, le sac pour transporter tout ce petit monde. Ce petit sac, j'ai flashé dessus, j'adore, il y a une petite anse, mais moi je ne la mets pas parce que déjà avec la chaise que je porte sur l'épaule, plus le sac, ça fait un peu trop. Je porte juste comme ça mon sac, il est isotherme à l'intérieur, ça protège notre bouteille d'eau ou nos produits. Et mon petit coussin pour m'allonger. C'est beaucoup plus pratique de s'allonger sur ça que d'être à plat. Enfin, j'ai le dossier sur ma chaise, pas sûr on appelle ça une chaise. Mais en tout cas, quand on s'allonge, c'est beaucoup mieux d'avoir un coussin. Alors, c'est tout simplement une bouée, voilà, qu'on gonfle. C'est un coussin gonflable en fait. On l'achète, il n'est pas gonflé, ça nous gonfle. Et avec sa petite protection. Ce qui est bien, c'est en serviette. C'est pratique à nettoyer. Le sable ne colle pas spécialement dessus. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire gentil, bien sûr. À vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et puis, comme d'habitude, soyez belles, heureuses, prenez soin de vous et à très, très, très bientôt.